mouvement. Le mouvement de lacets sur la berge des chutes du fleuve, le gouffre à l'étambou, la célérité de la rampe, l'énorme passade du courant mène par les lumières inouïes, et la nouveauté chimique, les voyageurs entourés des trombes du Val et du Strom. Ce sont les conquérants du monde, cherchant la fortune chimique personnelle. Le sport et le confort voyagent avec eux. Ils amènent l'éducation des races, des classes et des bêtes sur ce vaisseau. Repos et vertige à la lumière diluvienne, au terrible soir d'étude. Cœur de la causerie parmi les appareils, le sang, les fleurs, le feu, les bijoux. Des contes agités à ce bord fuyard, on voit, roulant comme une digue, au-delà de la route hydraulique motrice, monstrueux, s'éclairant sans fin, leur stock d'études. Échassés dans l'extase harmonique et l'héroïsme de la découverte, aux accidents atmosphériques les plus surprenants, un couple de jeunesse s'isole sur l'arche. Est-ce ancienne sauvagerie qu'on pardonne? Et chante et se poste,